Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer une vidéo assez particulière. Je vais vous montrer que deux peintures de bases différentes ne se mélangent pas ensemble. Par exemple, de la peinture acrylique, on ne la met pas avec de la peinture à base d'huile. Il y a une réaction chimique, un peu comme deux autres produits. Et je vais vous montrer également que certains produits ne se mélangent pas ensemble. Donc, un peu comme la peinture. Et par exemple, également ce soda. Donc, ne se mélangera pas avec d'autres produits comme le White Spirit ou d'autres produits chimiques que nous allons réaliser ensemble. Alors, on se voit tout de suite après mon introduction. À tout de suite. Alors voilà, comme vous pouvez voir, donc j'ai pris plusieurs produits, de l'eau, du white spirit, de l'huile pour cuisiner. Ici encore du white spirit. Ici vous avez du vinaigre blanc, de la peinture acrylique et alors un soda ici. Alors je vais faire plusieurs mélanges dans donc une bouteille. Enfin, je vais prendre quatre bouteilles comme ça vides et je vais mélanger plusieurs produits. On va voir la réaction que ça fait pour vous prouver que on ne mélange pas une peinture acrylique avec une peinture à base d'huile. La première chose qu'on va faire, on va prendre une peinture acrylique et nous allons la tester sur un support où on a déjà mis de la peinture à l'huile. À tout de suite. Voilà, donc nous allons tester donc la peinture, donc c'est à base d'eau, donc acrylique, donc sur un support où on a déjà mis donc une peinture à l'huile. Donc nous allons voir la réaction que ça va faire et si la peinture prend bien. Donc on voit très très bien qu'elle n'a pas l'air de prendre. Regardez, je vais passer même le rouleau comme ça, on dirait même que ça n'accroche pas du tout. Voilà, donc ça c'est le piège à éviter ça. Donc que faut-il faire dans un cas similaire? Soit il faut poncer, on n'a pas d'autre solution, soit donc il faut recouvrir la surface avec autre chose et puis peindre. Ou alors il existe dans le commerce évidemment des accrocheurs dont vous pourrez permettre de mettre les deux couleurs l'une sur l'autre. Regardez, en fait ça nettoie. Vous voyez, c'est une vraie catastrophe. Accrocheur. Vous voyez, regardez, en fait je le nettoie. Je peux même le nettoyer. C'est terrible. Regardez, aucune accroche. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce sont deux matières qui ne s'assemblent pas ensemble. C'est pour ça que je vous ai parlé au début de soda, de vinaigre, de white spirit et d'huile. Je vous montre donc ce que j'ai réalisé. Voilà, je vais prendre quatre bouteilles vides comme ceci. Donc, où je vais mettre dedans, dans trois bouteilles. Vous voyez, je vais y verser plus ou moins la même quantité de soda. Voilà la première. Voilà la deuxième. Et voilà la troisième. Donc pour vous montrer que c'est bien donc du coca. Voilà. Comme ça, c'est fait. Là, il y a le coca. Donc, ce que je vais faire, c'est dans les quatre bouteilles. Donc, dans une, je vais mettre du vinaigre blanc. Je me rapproche, comme ça, vous voyez. Et après, nous allons fermer le bouchon et bien mélanger le tout. Donc, je vais mettre la même quantité que le coca. Voilà, dans l'autre, je vais y mettre du white spirit. Et peut-être pas renverser, sinon ça va sortir trop mauvais. Voilà. Que nous allons fermer. Dans la suivante, nous allons mettre de l'huile de colza. Donc, voilà. On va y mettre donc la même quantité.
Et dans la suivante, je vais simplement mettre de l'eau et ajouter donc de l'huile de colza. Voilà. Je vais prendre l'huile de colza. Voilà, donc je reprends de l'huile de colza. Voilà, donc je vous montre partout, mais j'ai mis les mêmes quantités. Alors je vais mettre les étiquettes à chacune des quatre bouteilles. Donc à chacune donc des quatre bouteilles. Et alors, voilà. Donc à chacune des quatre bouteilles, comme ça je ne me trompe pas. Voilà, donc j'ai mis des étiquettes. Donc eau et huile. White spirit cola. Huile cola. Vinaigre cola. Donc nous allons bien mélanger, fermer les bouteilles et nous allons voir après ce que ça donne comme résultat. Donc vinaigre et Coca-Cola. Huile et cola. Voilà. Alors ici nous avons White Spirit Cola. Et ici nous avons eau et huile. Nous allons laisser poser et voir la réaction que ça fait donc d'ici 15 minutes. Voilà, après 5 minutes, on commence à avoir une réaction. Donc ça, c'est eau et huile. Donc ça, on se doutait bien qu'il allait y avoir une séparation parce que ça ne se marie pas ensemble. White Spirit Cola. Il y a une réaction également. Ici, huile, donc végétale pour cuisiner, et cola. Donc il se passe quelque chose. Et on va dire que le vinaigre et le cola, on dirait que ça s'assemble ensemble. Donc nous allons revoir, nous allons attendre encore 10 minutes. Voilà, après 5 minutes, donc 5-10 minutes, je vois que ça continue donc à se séparer. Donc je vous remonte à chaque fois les bouteilles. Hein. Donc, voilà, donc nous allons attendre encore 10 minutes. Et on a l'impression que le vinaigre et le cola, donc, se marie bien. Donc on attend encore 10 minutes et puis on va voir le résultat final. Voilà, nous avons laissé poser un peu plus pour être certain. Alors on peut voir que l'eau et l'huile donc se séparent vraiment totalement. Voilà, comme vous pouvez voir, donc l'eau et l'huile donc c'est bien séparé. Donc on voit vraiment la différence. Donc on a attendu beaucoup beaucoup plus longtemps. Alors ici le White Spirit et le cola. Donc, regardez, c'est séparé aussi. Et alors, ça a formé également une mousse brunâtre. Voilà, vous voyez. Moi, je remélange. Alors, ici, nous avons l'huile pour cuisiner et le cola. Ben ça également donc fait une séparation. Voilà, net. Vous voyez. Et alors, on peut voir que le vinaigre et le cola, lui, donc c'est vraiment bien bien marié ensemble, ça. Voilà. Alors, nous allons ouvrir les bouchons, voir les odeurs. Donc ça, c'est celui-ci. Donc, celui-ci ne sort pratiquement pas. Ne sort rien d'ailleurs. L'eau et l'huile qui s'est vraiment bien séparé. Alors, le white et le cola. Je vous montre à l'intérieur. Donc, nous allons sortir. Ça sort très très fort le white, celui-ci. Voilà. Alors celui-ci, l'huile et le cola. Donc l'huile pour cuisiner, évidemment. Hein, on avait dit. Je sors l'odeur. Par contre, celui-ci sort très 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 mauvais. Ça sort très 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 mauvais. Et alors vous avez ici donc le dernier qui normalement devrait sortir le vinaigre. Voilà, tout à fait. Voilà, donc. Nous pouvons vraiment dire que tous les produits ne se marient pas ensemble, ne se mélangent pas ensemble. Et ça, c'est
également pour les produits comme la peinture que vous ne devez pas donc appliquer donc sur une peinture à base d'eau avec une peinture donc à base d'huile. Voilà, donc je vous montrerai d'autres vidéos. Donc à bientôt et bon après-midi. Donc on se verra pour une autre vidéo. Donc voilà, je vais mélanger tout. Donc pour conclure, délicatement. Je vais ouvrir l'autre. Enfin, elle est déjà ouverte. Donc le White Spirit et le cola. Et l'huile et l'eau.